Bonjour à tous, welcome everyone. C'est un grand plaisir de vous accueillir à cette session ce matin. It's an honor and a pleasure to welcome you at this session. Je voudrais à nouveau remercier tous les sponsors, partenaires et exposants qui ont permis cette conférence. I want to thank all our sponsors, Moodle partners and exhibitors that made this conference possible. Université de Montréal, École Polytechnique, Open to Know, Lambda Solutions, E-Learning Experts, Wireless, Explorance, Red Speaker, and ADTE. Très heureux de vous présenter, I'm very happy to introduce Yves Otis. Il va nous proposer, je crois, a collective conversation à propos d'apprentissage informel, intelligence collective, collaborative capabilities, co-design, apprentissage agile. Thank you, Yves, to be here with us. I wish you all a good session. I might say a good conversation. If you have questions, please use the microphone on the two sides of the room. Thank you. Bonjour. Bonjour tout le monde. I will give my presentation in French. So, is there anybody here who is absolutely French? Well, please get your hand up. I just want to see people who don't understand French at all. Great. So, is there anybody here who want to be kind of a whisperer? In English, for those people. Is there anybody who wants to be giving some help to those people? Because I will try to go very slowly. You'll see what I mean. So don't feel free to ask questions in English. Basic question. This is not a problem for me. We'll move along with a good session. Secondly, when we work in Percolab, we always start our meetings and our day with a check-in. So I will ask you to do, in 2 or 3 minutes, a very simple thing. Go to someone you don't know and talk with them about something you learned yesterday. Okay? I ask you, it will take 2 minutes, just look at someone you don't know and just talk about what you learned yesterday. Hi, my name is Steve. How did you learn yesterday? Different from the university, I think. It's really different. You're using Moodle in a different way than the university. Oh, yeah. High school.
Je ne vais pas vous laisser aller, mais je suis pas en haut de Kino, alors je chicane par Olivier. À Percolab, qu'est-ce qu'on fait, nous, comme entreprise? On est une entreprise qui faisons ça. On crée des contextes pour permettre des conversations. On crée des contextes pour permettre l'apprentissage dans les organisations. On crée des contextes aussi pour favoriser l'émergence de nouvelles pratiques, de nouvelles idées, de choses. Donc, Percolab, ça, c'est notre jargon. On a réussi à mettre notre jargon dans une image. C'est nos outils, c'est nos théories, c'est nos, c'est ce avec quoi on travaille pour amener les organisations, travailler avec les organisations, accompagner les organisations dans le changement organisationnel, dans l'innovation, sociale, l'innovation organisationnelle. C'est assez particulier parce que par rapport à d'autres boîtes qui font ça, notre paradigme à nous, ce qui nous porte beaucoup pour nous, c'est l'apprentissage. Pour nous, l'apprentissage est le moteur de tous les projets dans lesquels on entre, à la fois comme organisation et à la fois aussi avec nos clients. On pousse l'apprentissage au cœur des projets, puis ça fait des projets très variés. C'est ce qui nous amène à prendre tout notre bagage que nous avons en technopédagogie, puis à l'appliquer dans des endroits qu'on ne soupçonne pas. Je vais vous montrer quatre applications où on utilise la technopédagogie, la même que vous utilisez dans votre contexte quand vous créez des cours. Quatre endroits où on fait à peu près exactement la même chose que lorsqu'on crée un cours, mais dans des contextes différents. Donc, Percolab, nous, on intervient avec des organisations, par exemple, dans le renouveau organisationnel. C'est un atelier qu'on a eu avec les gens de l'ONF, National Framework, sur toute une nouvelle réflexion dans la transformation dans laquelle ils sont. Donc, on travaille avec eux à développer des activités pour apprendre d'eux-mêmes de ce qu'ils font, puis apprendre de ce qui se passe dans le monde. Donc, ce genre d'activités qu'on fait en renouveau organisationnel. On fait aussi beaucoup d'interventions en participation citoyenne, en citizen engagement. On gère des processus de participation citoyenne à grande échelle, à petite échelle. Ici, on est en train de transformer l'église en un espace citoyen. Ici, on est dans la rue, au Champ de Mars, ici à Montréal, où il y a des projets d'aménager des places publiques. Et donc, on est en train de travailler dans le carré vigé avec des citoyens qui se présentent, des itinérants, à dire qu'est-ce que peut devenir cet espace-là, mais toujours avec une approche pédagogique, c'est-à-dire on utilise les gens à être capables de performer dans l'expression de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs souhaits, mais avec une approche très sensible à où sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont comme bagage. Donc, c'est andragogique, je dirais plus que pédagogique, c'est quand même participation citoyenne. On fait aussi du co-design, des ateliers de co-design. Ça ici, c'est à l'insectarium. C'est une photo qui est parue dans le devoir, il n'y a pas longtemps, vous avez sur le commentaire. Mais ici, ce qu'on est en train de vivre, c'est une expérience où on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe chez le visiteur lorsqu'il est en présence avec un insecte. Là, on ne voyait pas l'insecte, mais c'est une grosse débite, une grosse comme ça, en liberté sur le tapis. C'est le genre de choses qu'on va faire. Oui? On va rouler. Si on arrête, c'est un peu difficile, mais ça va. Donc, ici, c'est du co-design. C'est des choses qu'on va faire, mais toujours avec une perspective pédagogique. Ça, c'est au Musée d'histoire du Canada, le Musée des utilisations à Ottawa, Gatineau. On est en train de travailler à une nouvelle exposition avec une dimension très importante de pédagogie. Et ici, dernière chose, on travaille aussi avec les collectivités sur réinventer les services, réinventer les territoires. On est avec les gens de la CRI de Montréal à travailler sur des projets en apprentissage. On est avec les gens du quartier des spectacles en train de mieux comprendre à quoi peut servir toute cette belle installation du quartier des spectacles, de la fibre optique et des projecteurs, comment on peut réutiliser ça avec des artistes et des gens du milieu des données. Donc, on est dans cette zone-là. Pour nous, ça, ce sont des exemples d'application de la technopédagogie. C'est peut-être pas évident, je peux présenter chacun des exemples pour que vous voyez la connexion, mais c'est notre terrain de travail. Donc, lorsqu'on dit qu'on a mis la technologie sur des terrains complètement technopédagogiques, sur des terrains complètement différents, ben, ce sont nos terrains dans lesquels on s'amuse présentement. Dans ma présentation, j'ai été un peu provocateur, pas provocateur, mais j'ai souligné que notre paradigme, notre point de départ, c'est l'apprentissage, ce qui nous intéresse, c'est une certaine forme d'apprentissage.
c'est pas celui formel, celui qui est souvent porté par les institutions avec des programmes et tout ça. On a déjà une expérience, on a déjà vécu ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout cet apprentissage informel. Comment prendre l'apprentissage informel et le mettre, cette puissance incroyable d'apprentissage informel qu'on est en train de vivre, par exemple, aujourd'hui, présentement. Comment on met ça au service, plus généralement, de transformation de la société, d'amélioration des compétences, de développement des compétences. Donc, on s'intéresse beaucoup à cette question. C'est une question qui est un de nos moteurs. Et on s'est rendu compte que pour mettre en œuvre, utiliser cette capacité incroyable, il ne fallait pas beaucoup de choses. Il fallait un peu de structure, un peu de méthode, des approches un peu différentes et aussi un certain nombre de technologies pour soutenir ces choses-là. Mais peut-être pas les grandes technologies comme Moodle, mais un mélange de différents, un cocktail de différentes technologies. Et c'est ce qui nous intéresse et c'est sur quoi on travaille présentement, c'est à cette réflexion-là, sur comment supporter des approches pédagogiques différentes qui ne sont pas formelles dans des lieux comme la ville, les organisations, les entreprises, et comment on fait pour jouer avec comment on crée ce nouveau dispositif de formation dans ces univers-là. Ça, c'est la grosse question dans laquelle on travaille présentement, puis dans laquelle on s'amuse. Ce qui fait que depuis que Percolab existe, on surveille, on se promène un peu partout dans le monde pour trouver des exemples de pédagogie, ce qu'on appelle radicale, mais des pédagogies qui ont des formes différentes, mais qui sont axées, qui mettent un poids très important sur l'utilisation de l'informel, de cette structure informelle. Alors, je vais vous raconter un voyage. Un voyage que nous avons fait en Finlande. C'est un ami français qui nous avait signalé qu'il y avait une école en Finlande qu'on devait aller visiter. Et cette école-là, c'est une école où il n'y a pas de prof, pas de classe, pas de cours, mais qui diplôme, qui va diplômer des gens après 3 ans. Pendant 3 ans, les étudiants vivent dans cette structure-là et ça marche. Alors, on est parti, on est allé en Finlande en plein mois de février, moins 30, pour aller visiter Team Academia. Donc, on voit l'édifice en arrière, c'est dans une ville au centre-sud de la Finlande, Jyväskylä. Et là, ce que vous voyez, c'est les deux contextes dans lesquels les étudiants vont vivre 3 ans et demi leurs études, leur bureau d'entreprise, et 2 fois par semaine, un cercle de dialogue dans une salle avec des chaises très confortables où on discute du travail. Qu'est-ce que c'est Team Academy? Ça existe depuis 20 ans. C'est une école dans une polytechnique où les étudiants deviennent des gens d'affaires, des businessmen, des entrepreneurs. La formule est simple, on fait des groupes d'étudiants de à peu près 16 à 20 étudiants. Ils forment une entreprise et ils font vivre l'entreprise pendant 3 ans et demi. Le modèle pédagogique, la seule application qu'ils ont, c'est 2 fois par semaine de se réunir dans une salle pendant 4 à 6 heures dans une salle. Et le cursus, ben, ils ont fait l'inventaire des 300 meilleurs livres de business. Chaque étudiant doit en lire pendant ses études 70. Et leur truc, c'est de faire rouler l'entreprise. Et l'entreprise, en 20 ans, je pense qu'il y a eu 2 faillites. Et la plupart du temps, l'entreprise sert à payer les frais d'études de tous les étudiants et de leur offrir à la fin de leurs études un voyage autour du monde en équipe pour former un petit CV entre eux. Il faut aller le voir pour le croire. Il faut y aller. Le voyage qu'on a fait nous a vraiment ouvert les yeux sur une pédagogie complètement différente. Pour vous montrer combien ça marche, ça marche comme ça. Par année, il y a à peu près 180 team entrepreneurs. Ils ont un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Toutes les entreprises sont créées, c'est souvent des coopératives. Il y en a à peu près généralement 10 de coopératives qui roulent. Les étudiants ont cet output, ils lisent des livres, ils lisent des livres de business, ils font des rapports à eux-mêmes, ils font des rapports à l'équipe. Et une des statistiques les plus folles, parce que lorsqu'on regarde le milieu d'entrepreneuriat, comment on forme des entrepreneurs, le déficit entrepreneurial, toutes ces questions, c'est ce chiffre-ci. Il y a 50% des étudiants qui sortent de Team Academy qui deviennent entrepreneurs après 2 ans. C'est un chiffre jamais vu dans le monde. Les gens qui regardent ça, qui ne croient pas ça, mais c'est tout. Au Québec, dans les programmes de formation, on parle d'à peu près 5 à 7 %. Et encore, c'est discutable. Donc, c'est une réussite incroyable et ce qui est fabuleux dans le modèle pédagogique, c'est qu'il n'y a pas de structure. Je vais vous montrer le créneau, ce qui est écrit partout dans Team Academy, c'est ça.
pas d'étudiants, mais des entrepreneurs. Pas de classe, mais un bureau. Pas d'enseignement, du coaching. Bref, vous voyez, c'est vraiment une formule complètement déstructurée et ça marche. Les apprentissages se font. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ce que je veux souligner aussi, c'est lorsqu'on est allé les voir, on était très curieux de savoir comment ils s'étaient équipés, comment ils s'organisaient. Ils n'ont pas de LMS. Ils n'ont pas de Moodle. Zéro. Chaque équipe choisit ses outils. Ça se passe le mot, les étudiants ont dit au moment. Là, lorsqu'on est arrivé à l'époque, Dropbox commençait un peu pour partager les fichiers. Mais l'institution fournit très peu de choses. Fournit juste, en fait, fournit les bureaux, puis les étudiants doivent rembourser les bureaux. C'est dans le modèle, c'est l'entreprise. Il n'y a pas d'argent, puis il faut payer ses éléments. Donc, c'est assez fascinant. Donc, c'est un des modèles qui nous intéresse beaucoup, puis ça a amené beaucoup de questions sur. Dans nos institutions, entre autres, la question de la surtechnologisation de l'apprentissage. Et étant des gens qui étaient en technopédagogie, c'est quelque chose d'assez questionnant pour nous. Parfois, c'est une réalisation très forte dans ce cas-ci, parfois, on va mettre la technologie au mauvais endroit, on va mettre trop de technologie au détriment de quelque chose de très simple, c'est une pensée pédagogique, une approche pédagogique solide. Et c'est le modèle qui nous a beaucoup questionné. Nous, on est revenu de ce voyage en Finlande en se disant, ouais, effectivement, quelle place pour l'apprentissage formel? Les contenus existent, les livres existent, le savoir existe. Il suffit juste de le présenter d'une certaine façon puis d'amener l'apprenant à être obligé à s'autodiscipliner pour aller chercher ce dont il a besoin. Et ça, c'est une dimension importante. Bref. Est-ce qu'on n'est pas en train de trop souvent d'utiliser l'imagination technologique au lieu de l'imagination pédagogique lorsqu'on fait des choses? C'est une question que je vous lance comme ça. La deuxième chose aussi qui est assez fascinante, et on en parle beaucoup lorsqu'on parle de technologie aujourd'hui, c'est la dimension sociale. Or, au pays de Nokia, en Finlande, c'est le téléphone qui est l'outil principal des entreprises, de ces entrepreneurs-là. Un petit peu de web, un petit peu de réseaux sociaux, mais comme tout le monde le fait ici, mais le principal vecteur de leur travail, c'est le téléphone intelligent et tout ce qui peut tourner autour de ce téléphone intelligent-là. Encore là, ce téléphone intelligent est le prolongement, c'est ce qui était très fort, du réseau social que forme l'entreprise, les 16 personnes qui sont ensemble, et même l'école qui sont ensemble parce qu'ils vont travailler dans une entreprise, ils vont changer d'entreprise de temps en temps. Donc, c'est assez fascinant ce côté social, c'est qu'on apprend. Ils vont apprendre ensemble, ils vont avancer dans la construction de leurs connaissances ensemble. C'est un projet à la fois collectiviste et socio-constructiviste abouti. Il faut aller voir l'école, ces gens-là sont capables de parler de leur apprentissage de façon très claire, sont capables de parler de où ils sont, à tel point qu'un des instruments qu'ils utilisent, on appelle ça le contrat d'apprentissage, le learning contract, et c'est une clé de ce modèle pédagogique, c'est qu'au départ, chacun établit ce qu'il a besoin d'apprendre pour être un entrepreneur. Donc, je suis en train d'identifier ce dont mes besoins d'apprentissage et j'ai tout le contexte pour aller les chercher sans obligation de résultat d'examen. Rien du tout. Je vais aller, c'est mon obligation. Si je dis que j'ai un déficit ici, un gap, je vais aller remplir. Et le groupe est là pour me soutenir dans cette recherche. Ça va? Oui. Après les 2 ans, est-ce que ça... 3 ans et demi, ils ont un baccalauréat en affaires, un BA. Genre, je ne sais pas en Finlande le titre, là, mais oui. Ils ont essaimé. Ils sont à Strasbourg, ils sont à Amsterdam, ils sont au Brésil. Ils sont en entreprise aussi. Le modèle est amené en entreprise. Donc, c'est assez intéressant. C'est une société qui s'appelle Partus qui gère un peu le brand. Là. Mais ils ont, je pense, 6 écoles en Finlande. Il y en a une à Tampere, il y en a une à, je pense, à Helsinki, il y en a pas. Mais c'est un modèle intéressant. Et il y a d'autres écoles similaires, donc Chaos Pilot, qui existe. Du genre. Et il y a des structures qui utilisent le même modèle, mais qui ne sont pas reconnues par des universités. Donc, la seule en France, il y en avait 3 écoles, mais la seule qui reste, c'est à Strasbourg. C'est le genre de pédagogie dans laquelle nous, on baigne et on essaie de figurer exactement c'est quoi les patterns, c'est quoi les formes qui sont intéressantes là-dedans, puis après ça, ben, comment on peut recréer, qu'est-ce qui marche là-dedans, puis comment on peut reprendre ça, puis ramener ça dans d'autres contextes. Souvent, quand on présente Team Academy, on dit « oui, mais c'est rare, il n'y en a pas d'autres exemples. » C'est un objet un peu étrange. Ben non, il y en a d'autres exemples de pédagogie comme ça et de formes, de dispositifs de pédagogie. Et c'est intéressant de voir dans chacun de ces dispositifs-là comment la technologie s'insère.
vais vous en présenter deux modèles. Puis je vais vous donner trois caractéristiques qui me semblent très fortes dans ces modèles-là. La première chose, c'est axé sur un apprentissage qu'on appelle intentionnel ou autodirigé. Ces dispositifs-là, souvent, amènent la personne à définir c'est quoi ses besoins d'apprentissage. Ça, c'est une chose intéressante. La deuxième chose, il y a un principe d'auto-organisation dans le groupe. C'est-à-dire que le coach, la personne qui est là, ne dit pas quoi faire. Elle est là pour accompagner le groupe, décider des patterns de dysfonctionnement, on va faire un peu de counseling des fois. Mais ce n'est pas le coach qui guide, c'est le groupe qui guide, qui organise son temps. Et ça, c'est une deuxième caractéristique qu'on voit chez Team Academy. Je vais vous donner deux autres exemples où ces deux caractéristiques sont là. La troisième, c'est, on pense que parce que c'est auto-organisé, défini par chaque personne, qu'il n'y a pas de structure. Mais il y a une structure. Chez Team Academy, ils ont un modèle de compétences qui est là, que tout le monde connaît. Ils ont les 40, ça s'appelle les 47 caractéristiques d'une équipe fonctionnelle. Et à chaque mois, chaque équipe s'évalue sur ces 47 caractéristiques. Et donc, à la fin, après 3 ans et demi, on suppose qu'ils sont dans 44 sur 47. Là. C'est une bonne équipe à 44 sur 47 dans les indicateurs. Mais ils ont des structures formelles, mais c'est auto-évalué. Les lectures, notre Affirmative Academy, les lectures, je suis obligé, chaque livre est noté par un nombre de points. Il y a des livres d'un point, il y a des livres de 2 points, si on a la complexité, 3 points. Donc, à la fin de chaque, je pense que c'est chaque trimestre, à peu près 3 mois, l'équipe, on mesure l'équipe, sa réalisation sur le nombre de points qu'ils ont ramassés tous ensemble. Donc, moi, je dois en lire un certain nombre, quelqu'un peut en lire plus. Collectivement, on est responsable de cet apprentissage-là. Donc, vous voyez, il y a un mélange entre, oui, c'est auto-organisé, chacun doit avancer, mais par contre, une structure qui doit être respectée, mais qui est une structure qui permet aux gens d'avancer, de se positionner par rapport aux apprentissages qu'ils veulent faire. C'est la troisième caractéristique importante des modèles qu'on voit. Le premier modèle que je vais vous présenter, c'est un modèle assez récent, c'est celui de Agile Learning Centers. On a rencontré la personne qui a lancé dans la mouvance, sont peut-être une dizaine d'institutions, principalement aux États-Unis. Je pense qu'il y en a une dans les îles. Je ne sais plus quel pays exactement, c'est dans le pays latino, là, mais je ne sais plus exactement. Mais c'est essentiellement une école qui était en implosion à New York. Et c'est un jeune entrepreneur qui avait son enfant dans cette école-là, qui est arrivé en disant « J'accepte de prendre la direction, ma condition, que vous me laissez faire comme je veux. Et je veux faire de cette école une école agile. » Donc, on parle d'une école alternative, dans la mouvance alternative. Là, il y a toujours une couleur, mais vraiment. Et ce qu'il a fait, c'est vraiment appliquer dans la fabrique même de l'école tous les principes d'une organisation agile. Ce que je vous signale, c'est, vous voyez en haut là, le Kanban, c'est une clé dans son modèle, mais il y a bien d'autres éléments qui jouent. Donc, l'idée, c'est essentiellement, à chaque semaine, le lundi, chaque étudiant détermine ce qu'il va apprendre. Assez radical. Et alors, il a régulièrement, il a son backlog avec tous les éléments, les choses qu'il aimerait apprendre, qu'il aimerait faire et tout ça. Puis au début de la semaine, il en prend un qui met in process. Je suis en train de le faire, je suis en train de démarrer la chose. Et il se donne toute la semaine pour réaliser son projet avec les autres. Parce que tout le monde voit son Kanban. Puis qu'ils peuvent se mettre ensemble pour un projet, ils peuvent décider d'aider quelqu'un d'autre. C'est ça l'école. Et vendredi, ils font leur. Chaque matin, il y a un scrum. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin d'aide. Et à la fin de la semaine, ils reviennent sur ce qu'ils ont accompli. Et bien sûr que les post-it changent de case, puis les choses avancent, ça peut revenir en arrière, donc il y a plein de choses. Bon, le modèle est plus compliqué que ça, il y a d'autres dimensions, mais le modèle agile, dans ce cas-ci, s'en va jusqu'à l'organisation même de l'administration de l'école, l'implication des parents, la résolution de problèmes. C'est vraiment assez intéressant comme modèle. C'est documenté, c'est en ligne. Il va créer un mouvement d'école, c'est en ligne. Donc ici, si je reviens un petit peu à ce que je sais, sur quoi je vais t'aborder, on utilise le Kanban. On utilise un paradigme qui vient du développement logiciel pour gérer une école. Alors, quels outils? Effectivement, le Kanban ici, vous voyez, ben, il s'est transposé dans la plupart des écoles en Trello. Utilisable à la fois pour les étudiants qui vont utiliser leur Trello pour. Ils vont surtout utiliser. Bizarrement, les étudiants utilisent le post-it parce que c'est dans la place, on le voit.
ça n'a pas besoin de la médiation d'un ordinateur. Mais les enseignants se sont mis à utiliser le Kanban. Je te donne un exemple de comment ça peut être poussé. Et ceux que j'ai vus ressemblaient plus à ça. Ça, c'est très joli. C'est quelqu'un qui met beaucoup de temps. Mais c'est intéressant. C'est un Kanban d'un prof avec des étudiants. Vous allez sur Trello, là, il y a une section avec des exemples d'utilisation de Trello. Il y en a plein dans l'éducation. Il y en a d'autres qu'on peut trouver ailleurs aussi. Mais ceux qu'on voit un petit peu dans les Agile Learning Center, c'est ce style-là. Donc, un outil qui permet à chaque personne de déterminer son plan de formation, ses objectifs, ses objets d'apprentissage, de les communiquer à son groupe, à son prof et au groupe aussi. Pouvez-vous m'aider à faire cette tâche-là? Qui donne son avancement. On est un mélange de portfolio avec je ne sais pas quoi. Là, c'est comme et c'est l'utilisation d'un outil super simple, de communication, de suivi, d'ajustement, autogéré et qu'on peut utiliser en groupe. Extrêmement fascinant. Extrêmement fascinant en disant pourquoi nos étudiants universitaires ne peuvent pas utiliser ça? Pourquoi nos étudiants d'un collège ne peuvent pas utiliser ça? Premier exemple. Deuxième exemple que je vais vous donner. C'est un exemple qu'on utilise beaucoup, qui vient un peu d'une recherche qu'on fait depuis longtemps. Ce sont les cercles d'apprentissage. On parle de cercles d'apprentissage, on parle de cercles de co-développement. La structure avec laquelle on travaille est assez simple. C'est un groupe de personnes, à peu près 12 à 20 personnes, qui vont se réunir dans un cycle. Un cycle, c'est le 6-8 rencontres. Et ils vont faire deux choses. La première chose, c'est... Parfois, le cercle est créé autour d'une question, d'un besoin, d'un désir d'apprentissage, d'une recherche qu'on veut faire. Il y a quelque chose au centre du cercle. Tout le monde est autour, est attiré par une question qui est au centre. Ça peut être le design d'un musée, ça peut être l'apprentissage d'une nouvelle langue, ça peut être... On peut imaginer, peu importe, mais le cercle, il peut y avoir une thématique au centre. Et par rapport à cette thématique-là, chacun développe son projet, arrive avec son projet personnel d'apprentissage. Et le cercle d'apprentissage, c'est un peu cette idée-là. On veut apprendre ensemble sur cet objet-là, mais individuellement, nous avons des objectifs d'apprentissage différents par rapport à cet objectif-là. On peut être expert, mais vouloir apprendre quelque chose de différent sur l'objet, on peut être complètement débutant. On peut avoir un aspect ou un autre aspect qu'on souhaite. Donc, mon projet d'apprentissage, il peut être différent, mais le fait de se mettre ensemble pour travailler, faire avancer cette question commune et avancer son projet personnel, c'est ce qu'on explore. Donc, l'idée d'une structure qui peut être installée dans une entreprise, qui peut être installé dans une classe de cercle d'apprentissage et qui permet au groupe d'avancer. C'est très proche de Team Academy d'un certain côté parce qu'il n'y a pas de prof, il y a un coach. Le coach s'assure juste que la dynamique du cercle existe. Mais à partir de là, le groupe décide qu'est-ce qu'il veut apprendre. Et pour apprendre, il y a tout le monde, il y a tout ce qui existe dans le monde, il ne manque pas de choses. On s'est rendu compte en pratiquant le cercle, parce qu'on en a fait beaucoup, on en soutient beaucoup, on en soutient encore, on en soutient dans le domaine. On en soutient dans les domaines d'entrepreneuriat, auprès des travailleurs autonomes, par exemple. On en soutient avec, dans des milieux d'innovation sociale, avec le CSM en économie sociale, par exemple, on a un cercle qui fonctionne. Donc, on utilise le cercle de façon différente, avec des couleurs différentes, avec des objets différents au centre. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui ressort, c'est une dynamisation incroyable des apprentissages. Les gens qui entrent dans cette dynamique-là, se sent d'un côté supporté par le groupe, parce que le fait de dire ce que je veux apprendre aux autres amène un groupe de soutien pour supporter mes apprentissages. C'est très simple, mais on ne voit pas ça beaucoup dans les dispositifs de formation. Donc, le fait que c'est auto-organisé, je dis ce dont j'ai besoin, le groupe me soutient et on travaille ensemble à porter tout le groupe, extrêmement puissant comme structure. Et après ça aussi, il y a des... On a des rencontres, mais le défi qu'on a, c'est comment on fait, qu'est-ce qui se passe entre les rencontres? Et c'est là qu'on a commencé à expérimenter avec plein d'outils. Et le premier outil où il y a eu on a accroché quelque chose de positif, c'est celui-ci, Lumio. C'est un outil fait qui vient d'Australie. Australie, je pense. C'est un outil de prise de décision collective. Et il est fait parce que ça vient d'un collectif de travail distribué. Ils ont développé cet outil-là pour eux qui l'ont mis public. Extrêmement intéressant avec plein d'applications pédagogiques. Ce n'est pas un forum, c'est un outil de prise de décision collective. On peut imaginer des scénarios. C'est open source, pas open source, c'est gratuit, ça fait l'utilisation, on peut participer à plein de groupes. Allez le voir, il y a des ingrédients là-dedans qui fait que ça a fonctionné dans le contexte d'un groupe auto-organisé qui va prendre des décisions, qui va choisir
où est-ce qu'on tient la prochaine réunion, ou c'est quoi les trois sujets qu'on discute à la prochaine réunion. On a besoin d'un espace pour avoir cette conversation. Alors, pas nécessairement le débat, mais une expression de point de vue, donner des exemples. C'est un outil assez puissant. Je le présente d'une version assez... Je ne donne pas un exemple parce que j'en ai donné un peu plus sensible, mais c'est aller voir l'outil. C'est un outil qui peut soutenir ce genre de processus-là où les gens sont portés en groupe. Je vais parler de deux autres outils qu'on a vus, qu'on est en train d'explorer. Vous connaissez Slack. Vous ne connaissez pas Slack, c'est très, très extraordinaire pour permettre une conversation dans le temps de se poursuivre en des ateliers en cours ou en des sessions. C'est un outil extraordinaire pour amener des conversations de tout l'ordre par la suite. Inspiration très importante pour le développement de certains outils en ligne. Et l'autre outil qu'on a vu, c'est un outil québécois, j'ai allumé ce matin en disant que je pourrais que je parle de ça. Allez voir POKA. P-O-K-A. P-O-K-A. Présentement, dans le milieu, ils sont positionnés dans le milieu industriel. Vous connaissez peut-être iFixit, le site iFixit. POKA, là, ils sont dans une zone, c'est réseau social d'entreprise. C'est un produit québécois, quand même visée mondiale, c'est porté par Bell Canada, je crois, dans la famille ou dans l'écurie de Bell. Mais POKA est un outil extrêmement intéressant qui est utilisé en entreprise pour créer ces procédures liées, cette connaissance d'entreprise sur les machines. Mais lorsqu'on le regarde avec un point de vue technopédagogique, on fait « Oh, oui, potentiel immense dans un contexte éducatif. » Donc, ce sont les genres d'outils dans lesquels qu'on regarde, mais toujours avec l'idée que ça soutient une certaine forme d'apprentissage et de travail différemment, mais qui n'est pas un travail très dans un contexte informel, c'est que les gens sont le premier moteur de leur apprentissage. On leur donne un contexte où ils peuvent avancer dans ce travail. C'est la fin de ma présentation. Là, ce que je vous demanderais de faire, c'est de prendre 5 à 10 minutes pour discuter entre vous autres si vous avez compris la même chose. Si vous avez des questions ou si vous avez des choses pas comprises du tout et que vous voulez me poser comme question. Je vous donne 10 minutes entre vous, mettez-vous comme vous voulez, 2-3 personnes. Qu'est-ce que ça suggère chez vous? Et surtout, revenez à la question que j'ai posée initialement, qui est le titre de la conférence. C'est quel genre de technologie pour supporter cette forme d'apprentissage-là? Ça va? Sophie, take 10 minutes. Just discuss what I said. You can understand it. Like 50% of the people
come out of that school, become a businessman of tomorrow, which is really creation. An agile, school was was collapsing, and one of your parents said, "Hey, I want if you could give me the direction of the school, I will be in control inside the school around the agile operation and agile stuff. Do you know agile? No? Hey, so it's, I work with that, I'm a developer, and it's a way to do software, and kind of close to stuff you do at school. Encourage the people to work together, to be committed to their work, to self-organize. And there's no hierarchy, everybody is a worker and everybody works with you. And then you see the work. No, it's elementary school, I think. He didn't talk about that. But what he says, at the beginning of the week, the kids are together and they got a backlog of stuff they want to learn. I don't know who made their backlog. Probably with their teacher and the kid, and decide, okay, this week I want to work on that. And they use Post-it to know what is in progress, what is finished, and they use Post-it to put it in progress and to work each day. Everybody is together, or what we call a scrum, where they talk about what they do. What they did yesterday, what they did today, if they are blocked, they need to help. A small meeting of community. And after that, what did we work and work together on the same project? And at the end of the week, they present what they accomplished, what they did, and cycle like that. Yeah, for that stuff, they didn't talk about that. But for the school, the business school, they also tell that they don't have exam, but they got competency, got something like 47 competency, and after a cycle or a semester, they try to determine what their competency, what their goal, and they're also needing to read books, and they got points. They're 1 point, one book, and everybody is responsible for reading. And make some getting share experience, and they got the point of that, and after that, they got their great. Yeah, they got a degree, right? They asked this question and say, hey, if people in elementary school can do that, why college students or university students can do that? And the question is, or skill to do that at elementary school, just begin to know how to learn it.
I don't know what they are, the process. Yeah, I most probably did. But those guys still have to deal with that. But the second question, I think I have some question. And right now, when you talk, you know which question you want to ask. I can ask you that. How do they struggle to convince the government that all the thank you. He is very generously offering his time to repeat his session in English. And if you would like to come to the registration desk at about 12:05, we will arrange for a place for you to meet and to talk with Eve directly about the presentation. And he will repeat his presentation in English. So for those of you that are excited to hear what everybody else is hearing and cannot, like me, translate unless I have my friend Olivier beside me, you're welcome to come to the registration desk at 12:05 and Eve will be available to discuss his presentation then. Thank you. Thank you very much for your generosity. Question, commentaire. J'avais une discussion avec mon ami à l'arrière et puis il me demandait de quelle façon est-ce que les écoles alternatives de ce genre-là, surtout sur la Finlande et puis l'école agile, faisaient pour s'entendre avec le gouvernement pour les requis dans le monde d'apprentissage, compagnie, les examens de ministère, ces trucs-là, pour que ça soit accepté et que les soient reconnus par le gouvernement. Ben, comme n'importe quelle institution d'éducation, je vais donner l'exemple de Strasbourg. Ça leur a pris 3 ans pour que le programme soit accepté dans l'université. Ça aide quand il y a une institution forte depuis 25 ans en Finlande. Mais c'est toujours la même chose. Donc, dans quelle mesure les requis gouvernementaux, tu dois en tenir compte. Et c'est pas le côté directif, mais si tu démontres que ton approche pédagogique permet de rencontrer des requis. Donc, c'est une démonstration que tu dois faire comme école. Donc, à Strasbourg, ça leur a pris 3 ans parce qu'ils devaient démontrer que le programme remplissait et dépassait les attentes à l'égard d'un programme de formation de diplômé en administration. Ils ont démontré que ça touchait tous les points, que les étudiants étaient au courant avec les théories, qui étaient exposés à tous ces éléments-là, qui n'avaient peut-être pas d'examen, mais qui avaient quand même une structure d'évaluation d'avancement des progrès et d'apprentissage. C'est le point le plus difficile pour ces écoles-là, c'est de démontrer que la structure pédagogique est solide et que ça avance. Mais souvent, ça va sur des objets qui ne sont pas ceux que peut-être... Les programmes sont en retard sur la réalité. Et ça, c'est un arbitraire compliqué. Ces écoles-là, parfois, vont être... je pense aux Georgia Learning Center. Il y a deux types. Il y en a une qui est très technologique. Il y en a une autre, c'est auprès de publics très marginalisés, très difficiles. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci, c'est de la persévérance scolaire. De l'autre cas, ben, c'est comme super boosté, technologie et tout. Donc, sciences, mathématiques, on voit plus dans la cause. Donc, ça dépend des contextes, mais ce sont des expériences. L'idée, c'est pas dire que ça devrait être même partout. C'est pas ça. C'est dire que ce sont des expériences où le modèle pédagogique est poussé à un extrême tellement loin que c'est intéressant de regarder comment ça se fait que ça peut marcher. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Et après ça, on peut emprunter des choses, des amis dans un contexte différent. Donc, c'est pas l'idée de dire que c'est la fin du monde, c'est ça qu'il faut faire. Hein. C'est... Et
disons, ces défis-là de vis-à-vis des autorités, comme n'importe quel programme, nouveau programme, va dire, ben voilà, on a, voici les requis du programme, voici comment on les rencontre. Mais laissez-nous la paix avec la pédagogie, c'est notre pédagogie à nous, mais on est capable de livrer ça dans notre contrat. Mais ce sont souvent des écoles privées, pas Team Academy, mais Agile Center, c'est des écoles privées, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent, pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de liaison pareille avec. Vous avez mentionné durant votre présentation la collectivité. Oui. Est-ce que vous avez rencontré des semblables au modèle que vous avez présenté, une forme de formation comme ça, parce que les exemples que vous avez présentés sont souvent, on le comprend aux autres, présentiels, mais d'avoir aussi le pendant à distance. Par exemple, au niveau collectiviste, on en a suivi quelques-uns avec George Simmons et compagnie. C'est intéressant de voir qu'il y avait des approches alternatives comme ça qui sont stables aussi. Il y a l'exemple qu'on suit plus, mais il y en a deux. Il y en a un qui nous a déçus, le groupe de McGill. On pensait que ça allait pouvoir déborder un petit peu, mais l'exemple qui nous a plu, on a quand même commencé à gratter un petit peu qu'est-ce qui se passe en arrière, c'est le MOOC du Théorie U. MIT, où il y a eu une réunion où il y a eu 2000 inscrits, 600 personnes qui se sont présentées, 600 personnes qui se sont présentées live sur le système Maestro, où il y a eu 3 heures de temps, une session à la façon de session de dialogue, mais avec 800 personnes, des petits salons, ça a marché. Des gens du monde, donc on a pris des gens, on les a mis dans des salons qui ne se connaissaient pas, puis ils ont appris à discuter ensemble. C'est, en ligne, ça se fait en ligne, on cherche des contextes où ça peut se faire. Les cercles d'apprentissage, il y a un mot qui se fait en France, qui commence en novembre sur les cercles d'apprentissage. Donc l'expérimentation de ces outils-là en ligne, c'est quelque chose pour mon famille. Il y a quand même des gens qui réfléchissent à comment on peut porter ces approches pédagogiques par la technologie. Donc, on essaie d'être en contact avec ces gens-là pour voir les expérimentations. C'est compliqué. Le présentiel est tellement puissant que lorsqu'on arrive en ligne, c'est du palliatif jusqu'à un certain point, mais jusqu'à quel point on peut utiliser ces outils-là pour soutenir un peu ces processus-là, en sachant que ce n'est pas la seule chose qu'on peut avoir. Mais on cherche des exemples. Si vous en avez, vous les envoyez. Je me demande le type de profil des étudiants dans le projet en Finlande. Est-ce que c'est la Chine qui a un profil et lié à cette question? Est-ce qu'il y a des étudiants là-dedans qui sont sur le bord, disons, le type qui décroche du système scolaire plus traditionnel pour lequel ça compte le besoin? On a posé la question. C'est difficile d'avoir des chiffres exacts. Chaque cohorte est très différent. On a rencontré des étudiants qui sortaient du cursus primaire, secondaire, puis ils aboutissaient dans le programme en disant on ne sait pas trop ce qu'on fait là, j'étais avec mon ami. Typiquement, l'ado typique qui sort dans l'adolescence, c'est pas trop ce qu'il veut faire. Des anciens militaires, des jeunes militaires qui cherchent une chose, qui ont décidé d'aller là. C'est très varié comme profil. Je ne dirais pas qu'il y a un type de profil. Ce qu'ils font à l'entrée, c'est qu'ils font faire un examen, ils utilisent BuildBeam, le schéma, pour créer les équipes, c'est s'assurer que dans les équipes, il y a un mélange de compétences. Et après ça, on perd 2-3 étudiants dans les 3 ans, dans chaque équipe. Il y a comme une force assez incroyable. Mais justement, ils veulent des profils variés. Et c'est comme un composant. Ils disent que dans une équipe qui fonctionne, a des profils variés. C'est pas tout du même profil, donc c'est pas la crème de la crème de la Finlande qui se ramasse là, c'est vraiment des gens avec des horizons divers. Même des entrepreneurs qui viennent dans l'école. Dans les cohortes qu'on a vues, on a vu comme 5 ou 6 cohortes différentes, il y en a 2-3 ces cohortes-là où il y avait 3 personnes qui avaient déjà leur entreprise, qui sont venues dans l'école pour faire le cours complet pour devenir de meilleurs entrepreneurs. Donc, très varié, ils n'ont pas de sélection. Ce n'est pas un profil particulier, c'est, j'imagine, un recrutement. Ils acceptent quand même un nombre assez petit de personnes dans l'année, mais ça ne se bouscule pas nécessairement au cours. C'est comme une réponse un peu nuancée, là. Mais il n'y a pas de sélection.
parlez pas. Ouais, le micro, c'est mieux pour les gens à distance. Avez-vous demandé comment le choix du produit que l'entreprise, l'école allait produire se faisait, ou est-ce que c'était orienté ou choisi par l'équipement? Ben, vous avez dit, les équipes faisaient un produit qu'ils vendaient et qu'ils rentabilisaient. Ah, ça, c'est amusant, ça. Je dois vous dire que, vous savez comment ils appellent les étudiants de première année à Team Academy? Ils appellent des pingouins. Ouais, parce que quand ils arrivent, ils n'ont tellement pas idée, ils arrivent du cursus scolaire classique. Hein. Ils n'ont tellement pas idée de ce qui se passe, ils se promènent dans l'école en faisant oui, OK, OK, pingouin. Ils ont quel âge? J'ai des jeunes universitaires. 18, 17, 17 à 35, on a vu. Comme ça existe depuis 25 ans, il y a des entreprises qui passent leur mandat aux nouvelles entreprises. Ils vont faire des choses très variées. Parmi les choses les plus fréquentes qu'ils vont faire la première année, parce qu'ils n'ont pas développé trop de affaires, ils vont tenir des cantines dans les campings de Finlande. Ils vont s'occuper de la cantine, ils vont faire des parties. Mais il y a des gens qui arrivent avec des projets. Un des projets qui nous a trouvé fascinant, c'est qu'il y a une étudiante qui s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de tournée de stand-up comique en Finlande. Elle arrivait avec son projet, les équipes se sont mises dessus, puis ils ont fait 3 tournées, super gros succès. Les projets viennent comme ça. Donc, dans Team Academy, il y a des projets que les gens peuvent arriver avec leur projet. Il y a la communauté autour de Team Academy, les anciens, les nouveaux, la ville. Ils vont aller chez Team Academy pour demander des choses. Un des projets dont on a tenu grand, c'est-à-dire, ils ont reçu un mandat, acceptez-vous ce mandat-là, c'est d'appeler 15 000 personnes, nos anciens clients. Une entreprise qui a dit, on a besoin de recontacter nos anciens clients pour ajouter les adresses et tout ça. Donc, ils ont reçu ce mandat-là, ils l'ont accepté, puis c'est maintenant, comment on fait de l'argent avec ça? Comment on fait de l'argent à téléphoner 15 000 personnes? On est 16, comment on se divise le travail? On en fait combien par semaine? Donc, c'est des vrais problèmes d'affaires, mais les mandats viennent de cette communauté-là. Puis, une des dernières choses qu'ils font, puis qui se passe, ça, c'est plus les étudiants de troisième année qui gèrent ça, c'est les Learning Expeditions. Ça, vous avez le temps d'aller voir Team Academy, vous pouvez contacter, j'aimerais organiser une expédition d'apprentissage. Et c'est une des choses qu'ils font pour faire de l'argent. Donc, ils amènent des gens à venir voir l'école. Et il y a plein de monde qui vont voir cette école-là dans le monde. On était là, il y a eu 3 délégations. En 3 jours, il y a 3 délégations qui sont passées pour voir le modèle, puis figurer le modèle. Donc, c'est les étudiants qui organisent ces activités-là de prise de connaissance. Donc, il n'y a pas de subvention, c'est vraiment aller démarcher, rencontrer des gens, mais il y a un réseau de soutien, et le réseau de soutien des entrepreneurs autour, ou de la ville, des associations qui vont utiliser, faire appel à ces étudiants-là. Donc, c'est un peu ce genre de projet. Selon les entreprises, lorsque quelqu'un est un graphiste dans une autre équipe, on l'embauche dans votre équipe, on va travailler pour eux autres. Donc, c'est pas fermé, compétition entre les équipes, c'est pas du tout dragon, là, c'est pas du tout start-up, c'est plutôt, on doit être ensemble pour faire fonctionner une entreprise, donc on développe nos habiletés d'équipe. Les étudiants ont une somme maximale qu'ils peuvent utiliser pour investir dans les projets. La comptabilité de l'affaire. Alors, quand l'équipe commence, dans le premier mois, ils ont à établir leur budget. Ils doivent louer leur bureau dans l'école. Donc, ils peuvent le louer petit. On prend un petit bureau. Puis ils ont un budget de départ, puis ils doivent rembourser l'école. Et ça peut inclure ou non, selon qu'ils choisissent, leur frais de scolarité. Ça, ils partent avec un déficit en partant. Ils ont 3 ans et demi pour. Il y a pas, comme je dis, il y a 2 ou 3 entreprises qui n'ont pas fait d'argent dans 25 ans. Donc, généralement, ils réussissent après 3 ans et demi à rembourser l'université de programme, rembourser de soins leurs frais de scolarité et d'avoir assez d'argent pour faire un voyage autour du monde. C'est une obligation à la fin. À la fin, ils disent les derniers mois, vous devez partir et aller faire le tour du monde avec votre équipe. C'est ce qui va être signé lien pour plus tard. Vous allez travailler complètement fou pendant 3 ans et demi. Reposez-vous ensemble, c'est qu'ils s'en vont dans des endroits merveilleux. Mais ils vont souvent aller à Silicon Valley, ils vont à Bangalore, ils vont à des endroits un peu pour se stimuler dans le contexte d'entrepreneuriat. Mais c'est eux qui choisissent à la fin. Donc, et ça marche. Et lorsqu'on y va sur place, on se rend compte que ça fait des gens très, très grounded, très présents, très. Donc, parce qu'ils savent qu'ils sont dans une structure, c'est pour de vrai. Ma fille, c'est pour de vrai. C'est pas pour de faux. C'est vraiment
vraiment, c'est pas des exercices de style, c'est pas de l'argent qu'on nous prête qui est gratuit, c'est l'argent de groupe et la négociation. Peut-être que je n'ai pas entendu au début, mais est-ce que chaque personne a sa propre entreprise? Non, c'est un groupe, c'est généralement une coopérative. Ils se mettent ensemble en coopérative. OK. Et au début, pour trouver le sujet? La seule chose qu'ils font, c'est trouver un nom. C'est à eux à incorporer l'entreprise, c'est à eux à faire la paperasse. Non, mais coach est juste là en train de dire, ben alors, ah, allez-y, go. C'est assez intriguant. Il y a quand même du soutien, mais quand même, ils ont les équipes. C'est trois années, c'est les équipes plus avancées les aident. Mais demander de l'aide, c'est bizarrement, ça, c'est une grande leçon qu'on a eue. Apprendre à demander de l'aide, c'est probablement une clé incroyable de l'apprentissage. Et on n'enseigne pas assez cette habileté. Nous, dans les cercles d'apprentissage, on se rend compte que apprendre à demander de l'aide et apprendre à donner de l'aide, c'est à peu près l'essentiel qu'il y a pour faire avancer l'apprentissage. J'imagine qu'il y a un écosystème qui s'est développé autour de ces écoles-là. Je parle, par exemple, des bureaux d'avocats, des financiers, tout ça, qui offrent leurs services pour les aider. C'est intéressant, c'est dans la structure, peut-être pas directement en disant on a des services de propriété intellectuelle, ce genre de choses contractuelles. C'est des étudiants qui vont aller vers les firmes ou vont faire des marchands, ça fait partie un peu de l'ordre d'affaires. Ils vont dire on en échange, on va faire votre site web en échange, vous donner du conseil, ça, cette forme-là. Mais c'est le groupe des coachs qui est intéressant parce que dans le groupe des coachs, il y a ce genre de compétences-là. Donc, on a vu 8 coachs, à peu près 8 coachs. Dans l'école de académique. Dans les autres écoles, ça peut varier en 2 et 10, même dans certaines écoles. Et les coachs, ils sont juste en ressources. Ils sont là pour. Ils ne sont pas en train de guider le projet, ils ne sont pas en train de donner des conseils. C'est plus dans le sens. Eux, c'est le coach d'équipe. C'est une nuance. Nous, on les appelle des learning coachs, des coachs d'apprentissage. Eux, ils veillent à ce que le processus d'apprentissage, le contrat d'apprentissage, l'apprentissage de groupe, l'apprentissage d'équipe se passe. Et ils tiennent ce container-là. C'est pas des coachs d'entreprise, c'est des coachs d'équipe, c'est des coachs d'apprentissage. Cette nuance-là est assez importante. Parce qu'on dit que les enseignants doivent devenir des coachs, ils doivent devenir des coachs d'apprentissage, des coachs qui envoient des joueurs sur la glace. C'est vraiment pas la même chose. C'est un métier assez particulier. Quoi. J'ai visité l'école Sudbury Valley, proche de Boston, qui fait partie de l'Association des écoles démocratiques aux États-Unis. Ça me fait penser des projets qui se passent ici, mais ça, c'est à plus haut niveau. Mais c'est le même genre, la même approche que l'enfant décide qu'est-ce qu'il veut apprendre, comment et quand il veut apprendre. J'avais des doutes avant de visiter l'école, mais c'est vraiment étonnant de voir des jeunes. Il y avait un qui a passé 5 ans à étudier l'histoire de Russie. Donc, à la fin de l'école secondaire, il savait plus que, je pense, ceux qui graduent avec leur bac dans ce sujet. Et tous les élèves qui ont voulu aller à l'université après ont passé leur test. Et ça me fait penser du travail qu'on fait dans les learning management systems, etc. Et on a un contenu, on a des objectifs, des atteintes. Et des fois c'est choisi, des fois c'est imposé par misère, sanctification, etc. Mais on essaie de communiquer ça avec les élèves, avec les apprenants. C'est l'approche de l'enseignant vers les apprenants. Et ce que je ne vois pas assez dans ces outils, dans ces plateformes, c'est un dialogue. Mm-hmm. Ce qui a l'air qui se passe ici et dans les écoles démocratiques. Que l'apprenant, soit 5 ans ou 25 ans, s'implique dans leur éducation, à travailler de façon autonome, à organiser les 3 critères que vous avez mentionnés. Et que c'est important quand on fait le learning
et entre les apprenants et l'enseignant. C'est pas peut-être une question, mais je pourquoi? Le nombre d'années que je suis en technopédagogie, une des choses qui m'a frappé, puis on en discutait quand j'étais en formation à distance, c'est assez important. Ça. Il y a comme quelque chose à régler en termes de pédagogie, c'est de faire confiance à l'apprenant. C'est bizarre à dire, souvent je regarde les systèmes, je regarde le soin qu'on prend à tout, l'expression aller, à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'aspérité, qu'il y ait pas que tout soit pensé, puis que c'est tellement bien pensé que l'apprenant va apprendre, on ne fait pas confiance à l'apprenant. Et on ne lui met pas de défi. Et le premier défi que l'apprenant doit avoir, puis je pense que c'est un autre discours qu'on entend, que les étudiants ne sont pas motivés, et c'est un peu ça. On est comme une situation où on leur dit tout quoi faire, ils essaient de tout faire comme il faut parce que c'est ce qui est attendu d'eux autres. On est dans cette... On ne fait pas confiance à l'apprenant en disant « c'est quoi ton challenge personnel? Pourquoi tu es à l'université? » Tu ne sais peut-être pas ce que tu veux, mais tu as des aspirations, tu as des besoins. Juste reconnaître ça, c'est beaucoup. On sait que c'est beaucoup dans le système actuel, mais lorsqu'on design les systèmes pour soutenir l'apprentissage, parfois on ne fait pas confiance à l'apprenant. On pense qu'il faut que l'interface soit nickel. On pense que... Mais ils s'en vont sur des sites web tout croche, ils sont capables de se débrouiller. Puis ils vont se débrouiller. Je suis en métro tantôt, je suis avec un étudiant, en arrivant à l'Université de Montréal, les trois personnes, les trois étudiants, voilà, en ingénierie à côté de moi, ils disent, je viens de passer, en une heure, j'ai compris c'était quoi les intégrales, j'étais à voir qu'une académie, j'ai passé, j'ai pas passé, puis j'ai avancé. Mais c'est ça, donc les moyens existent, ils sont là, qu'est-ce qu'à ce moment-là, si on leur fait confiance, quel genre de dispositif, quel genre de technologie on a à leur disponibilité, si ce n'est pas des technologies justement pour se soutenir mutuellement, puis avoir des conversations entre eux et avec les enseignants. Et ça change complètement la vision qu'on doit avoir de ces systèmes-là, qui sont des systèmes qui gèrent beaucoup la structure, l'organisation du temps scolaire et tout, mais revenir à la conversation qu'on souhaite avoir avec les autres, et apprendre des autres, puis avoir que les autres sont des accélérateurs parfois à nos apprentissages. Oui, donc je dirais que dans ce sens-là, pour moi, il est comme ramener la conversation ou le dialogue qui est encore plus puissant au sein de la pédagogie ou de la manière dont on imagine, je dirais l'imagination pédagogique, ramener cette dimension-là comme moteur pour soutenir les apprentissages qui peuvent être extrêmement cadrés. Oui, il faut apprendre des intégrales. Puis, pour apprendre des intégrales, on peut les apprendre de 15 façons différentes, avec 15 sources différentes. Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui correspond plus à mon style, à moi, ou à mon temps, ou même à ma patience, ou mon intérêt. C'est varié. Donc, ce sont les arbitrages, je pense, qui sont communs à tout le monde. Puis, je pense qu'on ne peut pas régler vraiment facilement cette question-là. Mais c'est intéressant de dire, pourquoi pas renforcer cette capacité du groupe à s'auto-porter, à s'aider, à avancer leur apprentissage. Donc, imaginons un plan cours où c'est le groupe qui décide dans quel ordre on voit les choses, un groupe dans lequel comment on avance ensemble pour apprendre c'est quoi les factoriels. C'est comme et comment le système peut porter ça. Pour nous, c'est la zone de recherche. Si vous permettez, je vais parler en anglais pour supporter notre communauté anglophone. We discussed about the agile learning center, and you said that most of the time students they choose what they want to do, let's say today. I'm wondering, I guess it's very costly to enroll your child to such kind of alternative school because it might be very expensive. But at the same time, what about the social life? What about teamwork? What about the whole thing about collectivism, because a child will learn to study alone, do it always alone, independently, and again, are there lots of teachers supporting them? Because what I'm realizing it is, if there are, let's say, even 5 or 10 students in one class, right, and they choose 10 topics per day, does it mean that one teacher there and coaching them, 10 people, or teacher says, okay, I'll let you do whatever you want to study today, and you're independent, and you're your own coach, you're your own guide, and at the end of the day, just come and see and report. That's where the framework of the agile framework is in place.
we need to make a small structure in which the student need to express this learning contract. This is a key. Thinking about learning contract, making explicit your objective or learning objective, and put it in front of everybody. So you kind of commit yourself to that contract, and everybody can be not exactly for the surveillance of that. You can just watch and help you achieve what you pinpoint as this is my objective, and help you to help to do that. So the role of the teacher is just in that's why I said that there's a small difference in coach and learning coach. The learning coach is the person who makes sure that the context and the flow of the learning happens, and make sure that everybody knows what to do. They need to express their objective. They need to find ways and ask people to find ways to achieve that objective. You know, this is the learning coach role. So it can be, I don't know exactly the number of students versus the teacher, but the idea, you get the idea. This is the framework is there to support learning, and the coach is there to support the framework, make the framework work with each student. It's not quite open bar, but it's something more structured, but the structure leave a space for individual learning. If I want to go in and open a book and read a book, fine. But the structure is also open to the fact that you can ask help from fellow students to advance some tasks. Especially, there's a few examples of building things and experimenting and that gathers a lot of students. You know, this is not exactly a just free for all situation. There's a framework, and inside the framework, we provide some freedom to explore. And there's many ways to explore the subject. So it's something that very great. Merci beaucoup, Yves.